Aujourd'hui, c'est le départ de la 6e édition du Babel Raid avec Célia La Rochelle, où ont déjà eu lieu hier l'accueil des participants avec la remise des gilets, les vérifications administratives, les vérifications aussi techniques avec le contrôle mécanique et puis le stickage de leur véhicule. Ce matin, les équipages sont arrivés pour leur départ officiel, l'occasion pour eux de prendre en main leur premier défi, avec notamment la course d'orientation au sein de cette belle ville de La Rochelle. Vous avez une heure pour faire votre défi, d'accord? La première des règles, c'est celle-ci. Vous allez partir à 11h45 tout pile. Vous devez revenir au plus tard à 12h45 tout pile. Je suis prêt, prêt. Vraiment au top. Mon mari, c'est la troisième fois, donc je connais de spectateurs, côté spectateur, donc maintenant l'aventure côté terrain. Franchement, c'est tout global, on n'arrive pas à l'expliquer, c'est le ressenti, il est amplifié et c'est pas explicable. Faut le vivre. Je l'ai déjà fait en 2018, c'était tellement le kiff que je vais faire découvrir le bab à madame qui adore ça. Donc l'aventure, notre voyage de noces à nous. On ne se connaît pas, on s'est rencontrés il y a un mois. J'ai rejoint l'aventure pour mon grand bonheur parce que voilà, le raid c'est quand même quelque chose de génial. Et donc je suis ravie de découvrir Anne-Sophie en même temps que le Babel Raid. On la prépare depuis un an maintenant, vu qu'on n'est pas parti en février. On l'a refait avec des amis. Ouais, on a pas mal bossé dessus, de A à Z. Ouais. Et on a fait un partenariat avec l'école de design de Mont-de-Marsan dans les Landes. Et on a deux élèves, Jules et Héloïse, avec leur prof Alice, qui ont peint toute la voiture au pinceau. Et chaque trait, c'est un coup de pinceau. Une aventure père-fille, ça pouvait être une bonne occasion de faire quelque chose ensemble dans un cadre un peu solidaire et sportif. Et oui, je suis très fier, très content et on va s'éclater, on va faire au mieux pour faire plaisir et puis pour vivre une aventure. Bon, c'est cool. Allez,